mesdames et messieurs, à tous ceux connectés sur Activision.com et Activision TV. Bienvenue dans votre rubrique Portrait 2. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de quelqu'un que nous allons plus présenter dans le monde musical. Je veux parler tout simplement du jeune Balago, le grand pharamarène Wally Balago Seck. Et dans une famille de griots, un jour du 27 avril 1985 à Dakar, le jeune pharamarène Wally Balago Seck n'est plus à présenter sur la scène musicale. Digne fils de son père, John Balago Seck, ce jeune de 35 ans s'est d'abord passionné du football, ce qui lui a valu ses nombreux voyages, d'abord en France, ensuite à Londres, enfin en Italie. Malheureusement, il n'aura pas pu atteindre son rêve de devenir footballeur. Alors, il décida de rentrer au Bercail et d'emprunter les pas de son père, artiste et musicien de renommée internationale. En 2007, il fait son apparition sur la scène musicale avec son single intitulé « Beau Judo ». Ce dernier va faire de lui le nouveau playboy des jeunes artistes sénégalais avec sa touche particulière et son style italien. Le jeune pharamarène parvient à voler le cœur des Sénégalais en 2010. Le 7 décembre, ce fut la sortie de son premier album « Voglio » composé de 7 titres qui fut d'un succès écrasant. En février 2011, Wally Balago Seck fait partie des 5 artistes nominés dans Sony Music Awards. Le 4 septembre 2012, El Fenomeno confirme son talent avec la sortie de son second album intitulé Lune, composé de 8 titres qui a explosé les bandes FM. Revenant toujours en force, il commence à s'initier dans les soirées personnelles au Penchimi, tous les mercredis et les dimanches. Ainsi, remplir le Grand Théâtre National a été toujours un jeu d'enfant pour lui, avec un surplus excessif de réservations. Ambitieux et très sûr de son talent, le digne héritier de son père s'impose sur la scène internationale avec son spectacle à Mythique Salle du Zénith du Paris le 3 mai 2014. En décembre 2015, le jeune pharamarène présente sur le marché un album de 21 titres, Hell, une grande première dans l'histoire du Malard. Le samedi 4 juin 2016, le jeune pharamarène passe à la vitesse supérieure en investissant l'Accor Arena de Bercy, une fierté pour le peuple sénégalais. Décembre 2018, le Golden Boy de la musique sénégalaise nous époustoufle avec son dernier album titré Symphonie, qui fut d'un succès remarquable. Dôme de Paris, le 26 octobre 2019 fut l'une des soirées les plus spectaculaires où Wally Balago Seck a montré à tout le monde qu'il est le digne fils de son père. Chers internautes, j'espère que le portrait de Wally Balago Seck vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec une autre célébrité. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez connectés sur Activision TV et Activision.com. Merci. Masandiala, oh.